Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire une carte en trois dimensions avec Oasis Montage en utilisant les données gravimétriques. Ces données, nous les avons d'abord téléchargées et puis on les a traitées. Vous pouvez suivre dans la description les liens des vidéos. Avant de commencer, les gars, veuillez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Ok les gars, on se retrouve sur Oasis Montage. Open Project, on ouvre le projet sur lequel on a travaillé. Vous allez suivre le lien dans la description. Ok, c'est en train de charger. Voilà, là où on s'était arrêté. Alors, on clique sur 3D, create a new 3D. Voilà, ok. Ok. Nous avons déjà les axes. L'axe des X, des Y et des Z qui se sont créés. On va Add 3D, Grids, Display Plane. OK. Voilà, nous avons le modèle. Maintenant, il suffit d'augmenter l'axe des Z pour avoir un type de relief. Voilà. Ok, on a déjà un modèle, nous pouvons le tourner, nous pouvons faire toutes les rotations possibles et les animations aussi. Nous pouvons aussi le faire très rapidement. On va sur Add to 3D, sans passer par l'onglet 3D, hein, et on le fait directement. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.